est, départ de la Mini Transat. Avec toute la flotte un peu éparpillée sur le plan d'eau. Ça y est, c'est parti pour 7 jours de mer. On espère que tout se passe bien. Et puis, s'amuser surtout. Ça donne l'intérieur du mini là. Avec 25 nœuds de vent. Je suis en train de dormir, j'essaye. Et le pilote il attaque comme un gros bœuf quoi. Le pilote il est en beau là. C'est n'importe quoi. Pété avant la Martinique quand même, hein. En plus c'est la Martinique, du coup cette nuit ça va être calme, on va pas foutre de spi. Déjà qu'il y a une petite alerte avec le coup de la pièce sur le mât, on va y aller mollo, Aldo. Le spi est hyper stable, c'est trop bien, on fait quasiment rien, et ça glisse tout seul quoi. Et alors on a vu le front arriver avec les nuages, c'était hallucinant. Les nuages ils sont là d'ailleurs. Là je suis juste un peu trempé. Dans 250 000 on a la seule masse. Ça va être terrible. Parce qu'en plus on a du vent et on est plutôt bien placé pour aller du vent jusqu'à la fin. Donc c'est bien. Il y a les copains, ils sont un peu partout autour. On est dans le bon groupe, je pense. Donc c'est plutôt cool. C'est même carrément cool. Ça y est, on y est cette fois de départ de Las Palmas, on quitte le port, c'est incroyable. Je pensais pas un jour faire ça quand même. C'est un peu le stress, mais c'est du bon stress, c'est vraiment cool. Et c'est vraiment top. On va vraiment bien se marrer, alors maintenant la grosse question c'est par où on passe. Ça on sait pas. Et en tout cas c'est vraiment génial d'être là. Vraiment, vraiment génial. Allez. On départ sous spi, tribord, on vient d'empanner. Il y a du monde un peu partout par là. Les croisements c'était un petit peu chaud. Là on se décale, tout le monde est en train d'empanner. Il y a 20 nœuds de vent, c'est super sympa, il y a quelques départs au tas. Le capot 130, on marche à 7 nœuds, c'est top. Et je crève de chaud déjà, j'ai mis le ciel, ça mouillait un peu tout à l'heure, le haut. C'est parti pour 2700 000. Et ouais. Bon bah let's go. Salut salut, ça fait 24 heures qu'on est parti. Et la grosse interrogation, c'est est-ce qu'on passe par la route sud ou par la route nord? Dans le bateau il y a encore un peu de bordel. Et dehors, on va voir ce que ça donne. Et là, la météo, ils annoncent que ça moulissait, donc et c'est le cas, ça fait vraiment du bien, quoi. Parce que là, aussi, j'en avais marre. C'est l'heure de la vacation radio, il est 15h01, généralement il reste encore deux petites minutes. James Bond. Vendredi 8. Je crois que le vent est un petit peu calmé, vous allez pouvoir faire un petit peu de bricolage sur votre eau. C'est pas plus mal parce qu'il y a encore beaucoup de routes à faire, donc préservez votre matériel. Bon, ben, bilan du bulletin météo, plutôt correct, hein, moi je dis. Je crois que je suis plutôt content d'être là où je suis. Et ils annoncent, pour Météor, c'est-à-dire là et là, pour le 12, des nombreux grains. Bonsoir et bienvenue dans l'atelier cuisine. Ce soir, nous allons manger du riz
Gris cuisiné spécial paella. Agrémenté d'un petit chorizo qui est vraiment très très bon. Et le tout accompagné d'un fromage qui pue de brebis. Alors qui pue mais qui pue. Et ben le tout fait un truc pas trop dégueu. Voilà. On est à 1000 miles de l'arrivée. 1000 miles. Bon, c'est pas les grandes vitesses, on marche à 5.5. Route direct. Avec 13 nœuds de vent. A mon avis, ça fait arriver dans 7 jours. Et je viens de monter en tête de mât. C'est ça qui a pété en tête de mât. Le câble, là, il a explosé. Et alors là-bas, on voit quoi? Un magnifique grain. Derrière, c'est dégagé. Alors là, on est en plein dans un grain, il y a 30 nœuds. Et il pleut dans le bateau, c'est pour ça que je voulais le fermer. Je vais montrer ce que ça donne. On voit strictement rien. Bon, voilà ce qu'on appelle les Alizés. Pour tous ceux qui auraient un jour envie de faire cette magnifique course dans les Alizés, voilà dehors. Il pleut, il pleut, il pleut, il pleut comme c'est pas permis. Voilà ce que ça donne quand il pleut. Il pleut même dans le bateau là, il pleut des troncs d'eau. Enfin, les troncs. Hein. Pas non plus la cata la cata, mais. Le vent est stable, donc ça va. On est à 500 000 de l'arrivée. On marche à 1.05, route direct. Sinon, je ne vous ai pas présenté celle qui m'accompagne depuis le début de la Transat. Je vais vous présenter Sophie. Sophie la girafe. Ça me fait penser à ma petite Sophie. Voilà, ça fait 15 jours qu'on taille la bavette et qu'on discute. Elle est pas très causante quand même. Hein. J'ai connu plus bavarde. Mais bon, ça passe le temps quand on sait pas quoi faire et qu'on est tout seul. Là, on a une nuit étoilée, c'est juste magnifique. Et là, je suis en train de manger un plat de pâtes, pâte au fromage. J'ai rajouté dedans des petits morceaux de babybelle. Et ben, c'est vraiment beau. Bon, c'est officiel, il n'y a plus de vent. Voilà, là-bas dans le nuage, il y a Mini Kiki, là, juste sous le nuage. Et sinon, c'est pétole quoi. Pétole, 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 pétole. Et on est à 360 000 de l'arrivée. J'adore parce que Denis, il dit oui, conditions exceptionnelles, jamais vu dans les Alizés, prenez votre temps, pas d'Alizés, super. En attendant, on se fait quand même bien chier. Il doit rester 370 000 et c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Mais il y a un peu pétole quand même, hein, c'est un peu la merde. Un petit coucou à Christophe. Bon là on crève de chaud, mais le vent est revenu. Ça nous mène à arriver dans la pointe sud-ouest demain à 8h. Alors ça c'est terrible, on est sous le Genac, ça marche super bien, je vais vous montrer. Le Genac, qui est limite, limite, hein, mais ça passe et... On va carrément plus vite quand même. Et la belle GV. Donc on est route directe, on marche à 6 nœuds à peu près, il reste 80 000. Ah ça fait du bien un peu d'air et ça avance. C'est indescriptible. C'est certainement l'avant-dernière nuit, j'espère, parce que ça serait bien d'arriver un jour ou un autre. Et on est au pré, dans les Alizés, alors c'est quand même pas forcément très courant. Et voilà ce qu'il y a juste à côté de nous, là il y a un joli grain, là, il est vraiment balèze.
On est GV Haute, hein. GV Haute Génois auprès, dans les Alizés. Ouais. Celui-là, il est vraiment impressionnant, là, le grain. Là. C'est les deux petits là qui est au fond qu'on va peut-être se prendre. Mais bon, étant donné qu'il y a 12 nœuds de vent, ça monte à 20 nœuds, quoi. C'est pas bien méchant. Ce qui est plus pénible, c'est la molle derrière. Et j'ai hâte d'arriver là quand même. J'ai hâte de voir la tronche que j'ai aussi parce que là, je me suis pas vu depuis un petit moment. Incroyable quand même. Hein. On est à 160 000 de l'arrivée, quoi. Bientôt la Martinique. C'est énorme. Énorme. On est à moins de 108 000 de l'arrivée. Et c'est le petit lever de soleil. Ouais, toujours aussi beau, faut profiter dis donc. C'est les derniers. Ouais, c'est joli. Hein. Bientôt l'arrivée. Ça va être énorme. Ouais. 3 ans de projet pour arriver à 100 000 buts à une journée. Quoi. C'est dingue. C'est dingue, dingue, dingue. Sur la ligne, c'est génial, faut savourer à fond parce que je leur ferai pas souvent ça, traverser comme ça en solo sur un bateau de 6 mètres 50. Je pense que je suis pas prêt de le refaire. Ah bah, mais c'était génial quoi. Les 500 derniers milles, c'était vraiment dur parce que là, il n'y avait pas beaucoup de vent et puis on savait qu'on allait dans la pétole. Alors fallait juste tenir un peu. Mais sinon, non, c'était top, des belles glissades, dur au début quand même. Franchement, tu te demandes un peu ce que tu fous là quoi. Tu te dis c'est pas possible, ça va pas être comme ça pendant 15 jours. Et puis après, le beau temps est arrivé, les alizés, le ciel bleu, enfin les belles glissades et tout, c'était top. Non, c'est génial quoi. Tumbling on the seas.